les loulous, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis allée chez Action parce que oui, depuis un moment. Tiens, d'ailleurs, je brille là. Il fallait absolument que j'achète de la pâte à modeler pour mes élèves. Ici, c'est les jeux vendredi après-midi, pardon. Et bien sûr, si je n'achète pas cette pâte à modeler, je peux plus leur dire que les rayons sont fermés. Maintenant, ils sont ouverts. Donc j'y suis allée surtout pour ça. Parce que bien sûr, la pâte à modeler, c'est bien, c'est cool. Mais ça dure jamais très longtemps avec des enfants, bien sûr. Parce qu'en plus, le couvercle, il casse des fois, donc forcément, ou il est juste fêlé, mais il n'est pas hyper solide, donc du coup, bah, la pâte à modeler, elle sèche. Enfin bon, là, il y en a combien? 5 bleu, vert, jaune, rouge, je sais pas, violet, rose, je sais plus, au moins, bref. Et bon, voilà, ils adorent la pâte à modeler. Alors ça, c'est un jeu qui date, mais ils adorent ça. Si vous cherchez, ne cherchez plus. C'est une veste, mais elle est faite comme ça, en fait. T'as pas un t-shirt en dessous, hein. C'est la veste qui est comme ça. Elle vient de la recyclerie de Noyon, dans l'Oise. Ça, d'une brocante. Ça, de la recyclerie aussi, je pense. Allez, on y va. Donc, vous pouvez activer la HD avec les trois petits points. J'ai fait pas gaffe à mon vernis. J'attends pour le refaire. J'attends ce soir, parce que là, j'ai mon ménage à faire et tout. En plus, je vais aller à la recyclerie avec ma mère. Elle veut aller à la recyclerie. Je lui ai dit, attention, hein. C'est pas clean, 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 hein. Elle me dit, ah, c'est pas grave, je vais voir. Des chaussettes exfoliantes, vous savez que j'adore ces petites chaussettes-là que j'utilise une fois tous les mois ou deux mois à peu près. Et ça fait peler les pieds, ça fait des pieds tout doux. Je te les prends comme ça vient. J'ai repris un petit chiffon microfibre. Bon, bah, j'ai pas vu qu'il y avait un petit... Bon, c'est pas grave. La nouvelle collection, enfin sensiblement, parce que je l'avais jamais vu. Donc, j'aime beaucoup ceux-là. Donc, ils ont un côté comme ça et un côté, voilà. Top. J'ai repris du thé. Tisane, thé. Oh, c'est de la tisane, ça. Moi, je crois que c'est ça. La gingembre citron et la classique chai, en tout cas. 16 sachets d'infusion. Ouais, c'est ça. Donc, c'est de l'infusion hyper piquante. J'adore. Je les prends tout le temps. Là, j'en avais plus, en plus. J'ai repris 3 paquets de dattes. La marque, c'est Jama. J'aime beaucoup celles-ci. Elles sont hyper bonnes. C'est l'une des moins chères du marché, j'allais dire. Que je connaisse, 89 centimes. Donc, tu vois, rarement moins cher. Ah oui, j'ai ça aussi. Bah, attends. Love quoi? Love Cosmo. Il y avait une... Alors, j'ai hésité. Hein, parce que je me dis, Caro, tu ne mets pas... Arrête, tu ne mets pas de montre. Mais je l'ai trouvé magnifique. Il y avait 2 petits bracelets qui étaient vendus avec. C'était dans un pack à 9,90, je crois. Donc, c'est vraiment l'article le plus cher de mon truc. Et les petits bracelets, je les ai gardés. Ils sont dans ma voiture. Parce que j'ai voulu la mettre tout de suite. Je la trouvais trop belle. Elle est en espèce de style diamant. Et à l'intérieur, tu as plein de petits strass. Alors, je sais pas si... Non, là, il n'y a pas le soleil qui tape dessus. Dommage. Attends, je vais essayer de la mettre au soleil. Au soleil, elle tue. Elle est trop belle. Donc, est-ce que là, je vais prendre une petite douchette après. Vous voyez, parce que j'ai déjà beaucoup transpiré ce matin. J'ai fait des courses, des trucs comme ça. Donc, je vais prendre une petite douchette. Je vais manger un petit bout. Puis après, j'irai chercher ma mère pour aller à la recyclerie. Donc, vous aurez, du coup, cette vidéo. Vous allez avoir plein de vidéos. Voilà. Mais pas toutes le même jour, hein. J'essaye d'espacer. Donc Teddy Care, j'ai pris des baby wipes. Alors je ne sais pas comment elles sentent. J'espère qu'elles sentent. Là il y en a 60. Lingettes pour bébé. Vous savez que j'évite au maximum les lingettes. Au maximum. Mais j'aime bien quand même avoir quand je vais aux toilettes ou des trucs comme ça, à l'école, tout ça. Ça sent bon. Ça sent frais. Donc celle-ci, ce sera clairement pour aller à l'école. Hein. J'ai repris des petites pinces comme ça parce que, alors je ne sais pas ce que je fais avec mes pinces, mais je pense que je les casse en fait parce qu'elles ne sont pas très solides. Donc j'ai repris ça parce qu'en fait j'ai envie de me faire une petite coiffure comme on faisait avant avec des petits... en fait tu vois, on faisait... Voilà, on prenait, on tournait, on faisait des tortillons et on mettait des petites pinces et on en faisait plein comme ça. Ou juste sur le côté, enfin je sais pas. Et il n'est pas trop beau. D'ailleurs c'est pas recyclerie, je dis une connerie, c'est une brocante. Il y aura aussi une brocante dimanche. Donc, en fait, vous allez en bouffer de la Caro. En baver sûrement aussi de la Caro. Parce que franchement, là, il va y avoir pas mal de petites vidéos. Faut que j'aille chez Nose. Enfin, plein de trucs à venir. La paye à venir, c'est peut-être pour ça aussi. Tu sens mon excitation quand la paye arrive. J'ai pris ça parce qu'en fait, je me rends compte que je me brosse trop les dents. Oui, en fait, à chaque fois que je mange un truc ou que je fume une clope. Donc, tu vois, si je fume 6 clopes, je me lave 6 fois les dents. Et en fait, ça crée des petites cavités. Alors, je me dis, en fait, je m'abîme les dents. Donc, peut-être que de temps en temps, après une clope, ou un chewing-gum, ou un petit bain de bouche, et les laver déjà 3 fois par jour, ce serait très bien. Mais moi, j'ai un problème avec ça. J'adore me laver les dents. Enfin, j'ai toujours besoin que ça sente bon, quoi. J'ai pris... Alors, ça, j'en ai pris un pour ma mère, mais je lui ai déjà porté. J'ai pris celui-ci et celui-ci.
L'autre jour, j'ai acheté un bidon de 5 litres de vinaigre blanc chez Intermarché. Mais là, j'aime beaucoup cela parce qu'il y en a un qui sent l'eucalyptus et un qui sent la lavande. Et je ne les trouve pas ailleurs. Donc, pas à ce prix-là en tout cas. Donc, j'aime beaucoup. Même si je pense qu'en fait, je pourrais mettre dans mon. Je pense que je vais en garder un quand il sera vide. Je rempoterai avec du vinaigre normal et je mettrai quelques gouttes d'huiles essentielles. Je pense que ça doit avoir sensiblement la même. Ça doit faire sensiblement la même chose. J'ai pris ça pour mes toilettes. Alors, il n'y en avait plus qu'un dans ce parfum, si on peut dire là. Le Brasil. Brasil. Nanananananana. Oh, ça sent bon. Oui, parce que c'est pareil, j'aime bien quand mes toilettes sont impeccables. Bon, tu me diras, c'est des tocs qui sont des bons tocs. Et j'ai. Ah oui, pour les cheveux, j'ai pris ça aussi pour quand je me fais des petites nattes. Ou je sais qu'il peut être régulièrement. Je les voulais en transparent. Putain, il y en a 600. Je les voulais en transparent, mais il n'y avait que noir ou alors tout coloré, mais ouais. Pour faire les petites coiffures, tu comprends, là ça va être l'été, on sent qu'on a envie de choses un petit peu plus. J'ai repris ça. Alors, un qui va tout le temps rester dans ma voiture, j'ai fini le mien dans ma voiture, celui à la menthe. Ça tombe bien, il est tout le temps dans ma voiture. Et un que je vais laisser, je pense, ici en backup, quoi, pour. Parce que ça, j'aime bien quand je vais dans un magasin ou le pire en brocante. J'ai repris un Rainbow Peppercorn. C'est un assortiment des épices, etc. De poivre, j'en fous partout, même sur mes galettes de riz quand j'en mange, quoi. Parlant d'addiction au dentifrice, j'ai pris celui-là parce que je trouve qu'il sent hyper bon. Ils mettent édition limitée, mais il est toujours là. Hein. Donc voilà, le Colgate. Je l'avais découvert une fois, on en avait pris avec Adoration. Je crois que c'est elle qui l'avait pris, elle me l'avait recommandé. Ou inversement, je ne sais plus. J'ai pris de l'encens à la vanille, parce que bien sûr, j'ouvre tout, hein. Mais j'aime bien du coup avoir un petit bâtonnet d'encens et j'ai pris ça aussi. Parce que du coup, ça laisse pas d'odeur, hein. J'aère tellement franchement. En plus, je fume que dans une pièce et je ferme toutes les autres. Ah, je vais dire à clé. Je ferme toutes les portes des autres. Mais de toute façon, j'aère énormément. Moi, j'aère tout le temps. En fait, Covid ou pas Covid. J'ai pris ça parce que de temps en temps, j'aime bien. C'est mon ex qui aimait bien boire ça. Donc du coup, c'est lui qui m'a initié au truc Arizona. J'aime bien. Donc c'est. Alors qu'est-ce que je peux te dire? Parce qu'il faut quand même que je te dise un peu ce qu'il y a là-dedans. Boisson rafraîchissante à la mangue, aromatisée avec sucre et édulcorant. Bon, c'est pas. Ouais, c'est pas la meilleure compo de la terre, mais enfin. Pareil, gel pour les mains. Ah bah en fait, j'avais pris celui-là parce que je ne trouvais pas cela. Et cela était en caisse. Donc du coup, j'avais déjà celui-là. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est un truc, c'est pareil, hein. Même Covid ou pas Covid, c'est un truc que j'ai toujours eu sur moi, parce que moi, mes parents, ils travaillaient dans le domaine médical, enfin, ils étaient ambulanciers, donc on a toujours eu du Sanitol, du machin, des trucs désinfectants, trucs comme ça. Donc en fait, moi, je suis habituée à avoir ces trucs-là et à laver les mains tout le temps. Donc tout ce qui est Covid et tout ça, en fait, les gestes à appliquer, on les a toujours fait, bah oui. Donc là, il y en a partout, là, c'est la folie, ça, c'est devenu une mode presque. Tu vois, ils font des parfums maintenant, de poire. Mais ouais, moi j'ai toujours eu ça. Et je sais plus, je crois que c'était. Je sais plus qui en faisait à la vanille. C'était hyper soutenu, mais moi j'aimais beaucoup. Je pense que c'est quand j'avais des partenariats. Merci Andy. Faudrait que je regarde. Et alors là, sans grande conviction aucune, mais il finira sur les pieds sans ça. J'en ai acheté un ce matin à Auchan, un noir. Et là, je me suis dit, bon, prends une couleur un peu printanière. Donc j'ai pris, parce que vous savez qu'en ce moment, j'aime beaucoup ce style un peu lavande. D'ailleurs, j'ai un jogging là, comme ça. C'est là, heureusement que vous voyez que l'eau, hein. Non, 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 mais la dégaine, je te jure. Oh là là, c'est juste parce que je voulais porter cette veste pour voir ce qu'elle rendait. D'ailleurs, moi, je la trouve superbe. J'espère qu'à la recyclerie, je trouverai des trucs cet après-midi. Enfin, voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Ouais, il n'y en a plus. Bon, bah, voilà, ça faisait longtemps. Hein. Action, moi, c'est pas vraiment le magasin où je vais souvent. C'est très, très rare maintenant. Action et Noz, comme je vais tout le temps en recyclerie et que je fais mes courses au drive, bah, du coup, j'ai plus besoin d'aller chez Action ou chez Noz. Même si vous me direz, on ne trouve pas les mêmes choses. Bah ouais, il faudrait que j'aille chez Noz, parce qu'il y a une abonnée ou deux qui m'ont dit, ah, ça nous manque tes retours, tes haul Noz. Donc voilà. En tout cas, voilà pour le haul Action. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets ça en ligne. Du coup, là, vous avez un petit retour de course. J'essaierai peut-être de vous le mettre en ligne demain, celui-là. Ouais. Pas non plus qu'il y ait 15 ans entre le moment où j'ai filmé et le moment où c'est en ligne. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.